savez, je l'ai chanté sous la direction de ce cher Jacques lui-même. Il a bien voulu m'y trouver impayable. J'espère qu'il se souviendra de moi et qu'il me paiera cette fois, car voyez-vous, depuis peu, je reviens au théâtre. Oui, j'ai dû m'en éloigner un moment. Le cœur, chagrin d'amour, accident stupide, convalescence, enfin, tout cela appartient au passé, laissons-le. Laissons-le-y, veux-je dire. Enfin, n'y revenons pas. Me voici frais et prêt à retrouver mon public impatient, aussi quand j'ai lu l'annonce de cette audition. Mais au fait, puisqu'elle n'a pas encore paru, comment... La femme de l'imprimeur est, comme qui dirait, ma bonne amie. C'est une histoire de famille. Me voilà. Oh, pardon, monsieur. Mais je vous en prie, délicieuse madame. Madame est sûrement la maîtresse de maison, la femme de cet excellent directeur. Madame est la soprano dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, une collègue alors, et non moins rivale. N'ayez crainte, ces messieurs cherchent un couple. Fermez la porte alors et affichez complet. Votre couple, vous l'avez, car madame est merveilleuse, j'en suis sûr, et moi, impayable, selon les mots mêmes du maître. Nous voici prêts à partir à la conquête des Amériques et de ces sauvages emplumés. Musique. Le conquérant dit à la jeune indienne: tu vois, Fatma, que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit respecter la tienne, et ce respect arrête mon ardeur. Va dire, enfant, à ta tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, abstinence et courage. On s'est aimé quand on est espagnol. On s'est aimé quand on est espagnol. Ah, vous connaissez le rôle? Oui. Possible. C'est toi? C'est moi. Mon suicidé. Mon accident stupide. Oh, mais je t'avais reconnu tout de suite. Mais moi aussi, c'est parce que tu as ta... Sinon tu penses... Ah, tu n'as pas changé, tu sais. Hein? Les années n'ont pas été tendres, quel dégommage. Toi non plus, hein. Et on dit que les hommes vieillissent bien.